De nombreuses propositions de logos et étiquetages nutritionnels ont vu le jour ces dernières années à l'avant des paquets des produits alimentaires. Les RNG, la clé verte, les feux tricolores multiples et simples, l'échelle à 5 couleurs, ou encore les pictogrammes de couleurs. Mais comment faire pour les différencier et comprendre leurs principes? Comment évaluer leurs enjeux et impacts sur les consommateurs et les entreprises? Voici quelques éléments pour y voir plus clair. Tout d'abord, pour pouvoir faire des choix alimentaires, le consommateur a besoin de points de repère et les logos sont basés sur des repères différents. Un premier groupe de logos, qui comprend les RNG et les pictogrammes des distributeurs, situe la consommation de chaque produit par rapport à sa contribution à une alimentation équilibrée. Par exemple, dans le cas des RNG, ces points de repère sont les recommandations nutritionnelles journalières qui sont établies par les nutritionnistes pour un adulte moyen. Le consommateur est alors supposé calculer et additionner les apports nutritionnels de l'ensemble des produits consommés dans une journée, pour s'assurer qu'il est en phase avec les consommations recommandées. Pour un second groupe de logos, qui comprend les logos de type feu tricolore et échelle de couleur, les points de repère sont plutôt les autres produits. Ces démarches visent à faciliter la comparaison des produits pour le consommateur. D'autre part, les logos se distinguent aussi par la nature de l'information donnée sur la qualité nutritionnelle du produit. Les RNG et les feux tricolores multiples donnent des indications nutriments par nutriment. C'est donc le consommateur qui doit lui-même interpréter la qualité globale de chaque produit en fonction des teneurs en lipides, en sucre, en sel, etc. Dans le cas de la clé verte, des feux à 5 couleurs, des logos basés sur les fréquences de consommation et des feux tricolores simples, ces logos donnent une vision globale de la qualité nutritionnelle du produit. Les logos ont aussi tendance à imposer une certaine hiérarchie entre produits qui est plus ou moins claire. Par exemple, les RNG ne définissent pas vraiment que certains aliments sont meilleurs que d'autres. C'est au consommateur de construire cette hiérarchie à partir de l'examen de l'étiquetage. A l'inverse, les logos avec code couleur expriment une certaine hiérarchie entre les produits, a priori définie par les responsables de santé publique. Enfin, tous les logos n'ont pas les mêmes effets sur les entreprises. L'un des objectifs des étiquetages nutritionnels peut être d'inciter les entreprises à améliorer la composition nutritionnelle de leurs produits. Mais cet effet dépend beaucoup de la façon dont les logos mettent en jeu la comparaison entre produits. Et sera d'autant plus fort que les logos permettent aux consommateurs de comparer des produits. Les études réalisées dans divers pays semblent suggérer que tous les systèmes apposés sur la face avant des emballages améliorent la perception du consommateur de la qualité nutritionnelle des produits. Il semble cependant difficile de conclure sur l'impact réel des logos sur leurs comportements alimentaires et la santé des consommateurs, car ces systèmes n'ont été mis en place que depuis peu de temps. Il faut rappeler que l'étiquetage n'est qu'un levier parmi d'autres pour guider le consommateur dans ses choix alimentaires. De même, la nutrition n'est qu'un facteur modulateur des maladies liées à l'alimentation. Il est donc nécessaire d'envisager aussi d'autres approches pédagogiques qui permettraient de cibler les personnes concernées et d'éduquer les consommateurs dans des choix qui allieraient le plaisir et la santé.